Novak Djokovic pourrait être absent de l'US Open 2017 qui a lieu cette année du 28 août au 10 septembre. Selon plusieurs médias serbes, l'ancien numéro 1 blessé au cours de l'heure des quarts de finale à Wimbledon face à Toma Berdych sera inactif durant 6 à 12 semaines selon les médecins. Cela a été la meilleure saison en Grand Chelem dans ma carrière, dont j'essaie de la chérir en profitant de chaque moment. Je suis très fier, a déclaré l'ancien champion du monde. Cette blessure le mettrait également hors jeu pour les demi-finales de la Coupe Davis en France, quelques jours après l'US Open. Selon le Sportich Journal, le joueur de 30 ans a passé des tests médicaux à Toronto la semaine dernière. Il s'est ensuite envolé pour Belgrade où il donnera une conférence de presse. 12 fois champion en Grand Chelem, Djokovic a remporté l'US Open en 2011 et 2015.